Suban Brasta. Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Far Cry Primal, chers amis. Donc on fait continuer, on se bouffe la vidéo. Qu'est-ce que ça a changé? Guarpeti gaujata ya unam yauda paja. Ok, bon, je sais plus trop si ça a changé par rapport à la dernière fois qu'on l'a vu. Je ne me rappelle plus. Les voyageurs Wenja accrochent parfois des sacs de matériel dans les hautes branches des arbres. Pensez à lever les yeux pour trouver de la nourriture et des ressources pour la confection. Ce qui est marrant avec le mot confection, c'est que dans confection il y a fection. Ok, bon. On récupère un maximum de ressources. Vraiment falloir qu'on aille faire le plein. Hop. Ok. Apparemment j'ai rien à confectionner pour le moment. Est-ce qu'on a des missions en cours au passage? Oui, il y a lui à aller buter quoi, oui forcément. Et il y a ça à aller choper. Il y a un campement très difficile ici. Pourrait y aller et aller voir. Hop, c'est parti mon kiki. Maintenant qu'on commence à être équipé comme des professionnels. Hop. Alors il y a un sac de là. D'accord. Ok. Alors c'est par là-bas. Bah écoutez, on va descendre par là. Et on va appeler notre loulou. C'est un petit peu tôt, non, ça va. Ça va, ça va. On va appeler notre... pas notre loulou, mais notre... enfin, notre Simone, hein, tout simplement. Ah, le voilà. Je l'ai reconnu. Il va y avoir des dolls là-bas, non, c'est des loups. Ce ne sont que des loups. Alors soit c'est un tapir, un cochon. Bouffe le cochon. Bouffe le cochon. Ok. On récupère du bois un peu partout, ça va nous faire du bien. Faut qu'on récupère des ressources. Ok, vas-y attaque. Ok, tiens, mange. Ça va me faire un petit peu de place pour de la viande si je retrouve le cadavre. Si je retrouve le cadavre. Ok, le voilà. Il est en train de se barrer. Bref. C'est des oiseaux ? Non, c'est des oiseaux. Ok, on va monter sur notre bête. On va aller chercher ce camp le plus rapidement possible. Alors. Hop, on esquive les arbres, on y voit que Pouic. Le soleil se lève, du coup j'ai pas gâché. Rod. C'est à nous ça? Oui, c'est là qu'on a chassé le. C'est là qu'on a chassé le comment, le mammouth. Vaguement quelque chose. C'est un houdam. Hop. Plus de houdam. Ok, on est en train de cramer un petit peu. Bon, allez, Hop. Une fleur, aïe, un arbre. Allez, tourne. Un autre arbre.
Je croyais que c'était des ennemis, mais non. Tirer sur la cage et libérer la... Oh, libérer la villa. Hop les... C'est con. C'est con, c'est con. Hop. Bonjour. Allez, fuis. C'est bien. Bonne bébête. Ok. Alors, Dommage. Le petit coup de patte qui aurait été rigolo à donner. Oh. Oh. Hop les. Est-ce que je l'ai eu au fait? Non, apparemment pas. Tant pis. On est à 100 mètres pratiquement. On devrait l'avoir en vue. Hop. On devrait l'avoir en vue. Ok, on va l'avoir en vue. Oh my god, c'est balèze. C'est balèze. Bon. Là, on a plus d'abeilles. On a plus que des frenzy. Alors, cherchons l'homme au bouclier. Forcément un dans le tas. Il y a forcément un dans le tas. Ok, le bombardier ça peut être sympa aussi. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Dommage. J'ai été stupide. J'ai été plus que stupide, on va devoir attendre un petit peu. On va devoir attendre un petit peu. Hop, on va attendre qu'il soit pour. Hop. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. L'un à côté de l'autre, c'est un danger. L'un à côté de l'autre, c'est un danger. On va attendre que la chouette revienne. Ok, en douceur, en douceur. Ok, c'est parti. Ok, ok. Ça en fait un. Ça en fait deux. Battez-vous entre vous. Merde, j'ai raté. Bon, moi j'en ai libéré un. Hop les, salut les amis. Hack. Va t'attaquer à ces bébêtes. Va t'attaquer à ces bébêtes. Ce ne sont que des zizi là. Ah, oh, c'est dommage, j'ai l'impression qu'ils sont gâchés. J'ai l'impression d'avoir gâché mes grenades. On bat feu. Berserk. Hop. Hop, vas-y, fais-toi plaisir. Attaque-toi à lui. Oh merde. Voilà. Vas-y, fais-toi plaise. Un prisonnier a été tué. Merde, dommage. C'est
par les flammes en plus. C'est vraiment dommage. Je crois qu'on a eu le camp. Bon. C'est dommage pour le prisonnier. Et je crois qu'il l'a brûlé dans la cage en fait. C'est là où c'est stupide. C'est qu'en fait, il est pas venu se lever pour détacher. Ok. Discrétion, plus 1510 XP, ça fait toujours plaisir. Donc je pense qu'on a gagné un level. Oula, danger par là. Hop. Même pas. Aïe. Non, ça va, ça baigne. Ok. Hop. Ah si, level up. Level up. Des fois, j'ai l'impression qu'ils ont des plumes à la place des cheveux. Oups. Je crois que celle-là, elle faisait des choses. Hop. T'avais quoi? Une peau de bête sur toi, tant mieux. Madame, non, y'a plus personne. Hein. Vous pouvez rester là où vous êtes, y'a plus de problème. Graisse animale, parfait. Mais qu'est-ce qu'on a comme chose à rajouter dans les points de compétences? Ça serait pratique. Ça aussi. 4 points de compétences ici. 2 bombes à piquant, 2 pièges, fronde précise, double appât, nutrition avancée, d'accord. La double sagaie qui pourrait être l'utilité la plus totale. Allez, on part pour la double sagaie, ce qui améliore notre... Ah, ils avaient des sources chaudes. Oh, la gueule. Hop les pof. Ça pourrait être sympa. On l'utilise pas assez. On l'utilise pas assez, chers amis. Qu'est-ce que... Apparemment on n'a pas le droit d'entrer dans l'eau chaude. Arrête-toi! Ah putain! Voilà! Tire à la tête! Vous voulez la voir avec le truc? J'ai réussi, finalement. Encore un peu de compétence, d'accord. Commence à en faire beaucoup. S'il nous en fait un, bon, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Il me semble qu'on avait un deuxième truc à aller choper dans le sud. Voilà, un feu de camp ici. Ensuite on pourra partir encore plus au sud, parfait. On est à 400 mètres, est-ce qu'on se prend notre bestiole? Elle est là? Oui, elle est là. Hop, on mange un coup, ça fait du bien. Je crois que j'entends un... résolu. On progresse. Attention, on n'a pas le droit de rentrer dans l'eau apparemment. L'eau chaude, c'est pas bon pour les Winja. Wow, t'es magnifique. On se met dessus. Hop, les tire à la tête. Problème résolu. Descends. Parfait. On dépasse l'élan. Le grand élan, pardon. On fait une peau de grand élan, d'accord. Jusque là, c'est pas trop trop mal. Ok. Pierre du sud rare, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On a un fruit de confection. Confection, qu'est-ce qu'on peut confectionner? Ah, le dernier niveau de gourdin. Parfait, on prend.
Joli. Joli. Donc on a encore quelques petites choses à faire au niveau des armes. Je crois principalement le grenade niveau 2 et le double arc. D'accord. Oh, il est vraiment, vraiment brutal ce gourdin. Ok, j'ai envie d'essayer quelque chose. Ok, ils sont nombreux, semble-t-il, en plus. Ça tombe bien. Ça va marcher. Donc j'ai libéré la bébête. Non. Voilà, j'ai libéré la bébête. Ensuite je peux envoyer ma bestiole. Au bout d'un moment. Voilà. Oh non, maintenant on va se retrouver avec des emmerdes au niveau de lui. Que ça va suffire à le tuer. Non, ça ne suffit pas. Hop, brûle. On va bien voir. Oh, si peu de dégâts. Envoyons notre bébête. On va bien voir. Si oui ou non c'est efficace. Voilà, mise à mort. Parfait. Allumez le bûcher. Notre chouette a tout fait. On peut se permettre de l'allumer avec la chouette. On se fait plaisir. Voilà. Bon, bon, bon. Pas trop mal. Intéressant tout ça. Intéressant. Huchet de la fille du soleil. C'est pas comment qu'elle s'appelle la chef des Isila, ça. Ça me dit vaguement quelque chose. Encore un point de compétence. Va chasser le tigre. Ah, c'est un lion des cavernes, j'imagine. Ok, bon bon bon, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin du coup? Est-ce qu'on doit aller au sud? On peut aller au sud pour aller voir après tout. Non c'est bon, reviens, t'embête pas. Il me fallait des pots de singe à un moment. Ok. Il m'a fallu des pots de singe à un moment donné. Je ne sais plus exactement pourquoi, cela dit, je veux l'admettre. En tout cas, on voit là quelques-unes en plus. Si on trouve un dernier singe, je pense qu'on va regarder. On va regarder quand même vite fait. Ici, peau de rhino laineux, peau de léopard, argile du nord, donc rien de bien incroyable. Ok, nous avons 2 points au total. Ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Et au niveau du village, peau de rhino, rare, population c'est bon, peau de poisson croc, rare. Ça, ça va être plus chaud. Hein. Ça, ça va être légèrement plus chaud. Pourquoi pas? Bon, on va bien voir. Il veut pas monter? Monte sur le caillou! Il veut pas. Et comme il est têtu, on va mal. Hop! Parfait. Qu'est-ce que... Non, ami. Ami, ami. Pas copain ça. Pas copain ça, je peux comprendre que t'aies pas envie d'y aller. Non, non, reste là. Oh putain. Mange. Hop. J'aimerais pouvoir aller monter dessus. Hop, merci. Attends, on va y aller en courant. Y
Et en courant vite, chers amis, parce que la dernière fois, c'était un peu ric-rac. Faudrait que je rechasse le rhino aussi. Pour être... C'est des copains. Fou, ils m'ont foutu les boules. Mais c'est bien, on est de plus en plus présents partout, c'est assez sympa ça par contre. D'accord. Ouais, ça me tente pas. Je m'étais prévu un truc perso. C'était qu'on allait voir au moins jusqu'au loulou. Faire de débloquer l'endroit, qu'on puisse voir à peu près s'il y a des choses, il faudra attaquer dans le coin avant de faire la chasse. Apparemment c'est bel et bien le cas. Alors. Ce genre de pierre il m'en faut peut-être. Je voulais aussi voir sur la map au niveau des bestioles. Chasse. Il n'y a pas alors grand élan, cerf, dol, poisson croc. Oh, de la chasse au poisson croc. La chasse aux poissons, c'est autre chose encore, c'est pas quelque chose que je connaissais bien. On avait des rhinos laineux, c'était un léopard ou un jaguar? Jaguar. Les léopards sont au nord, c'est ça qu'on avait vu, il me semble. Putain, faudrait que j'aille les farmer, littéralement. Ok, tous. Ils sont juste à côté. Ce que j'aimerais juste, c'est... Ah oui, j'ai oublié de laisser le truc dessus par contre. Voilà. C'est voir la zone, voir si on peut pas se diriger sur un dernier campement. Oula, la chute a failli être douloureuse. Bon, apparemment, on s'en approchera pas plus que ça. Et au niveau des trucs, bon, on est assez loin au niveau du reste. Pour reconnaître. Spécial déplacement rapide, ben on va aller là. On va aller chercher ce point-là. Allez, vas-y. Oula. Ok. C'est pas un des fameux loups que j'aime bien, ça. Il est solide, ce loup. C'est pas un rare. Bon, il est trop solide pour moi. Ok. Point de réapparition acquis et surtout un point de téléportation. Non ? Il me semble. On va vérifier. Hop. Point de réapparition, celui-là, on est d'accord, c'est bien marqué. Le bûcher des environs, d'accord, il y a un bûcher dans les environs que j'ai pas. Que j'ai pas, simplement. Donc imagine que ça doit être celui-là, que doit être par là. D'accord, bon, on va aller chasser le jaguar, chers amis. On en a pas encore. C'est loin au le léopard, pardon. C'est loin au nord, hein. C'est vraiment très très loin au nord. On va bien voir. Si on peut le chasser et le voir rapidement dans notre équipe, ça pourrait être sympa. Et je me rappelle d'ici. Ça me dit vaguement quelque chose. Ok, nous voilà bon. On est sorti. Il fait encore jour, c'est parfait. Non, copain. Ok, bon. L'objectif pour nous, c'est d'aller par là. Vous avez pas peur les mecs, hein. Vous avez pas peur. Bon. Ok, les appâts sont prêts. C'est parti. Et les mecs, je ne fais que passer. Ah
Hop. Hop. Voilà, problème résolu. Je peux leur laisser. On va juste attaquer un mammouth. Alors, un mammouth en furie là-dedans, génial. De mieux en mieux, merci les mecs. Ah! J'ai entendu un petit hurlement. Ça c'était un aigle. Je pense qu'on arrive dans la zone. Et je dois vous avouer que ça ne me dérange pas. Ok, on descend. Yo. Un bouquetin. Des bouquetins. Ce truc. Mission de grotte. Ressources requiert le grappin. D'accord. Non, j'aimerais mon jaguar avant. Mon léopard, pardon. Je vais y arriver, n'inquiétez pas. Merde, je me suis planté. Ah, blabla. Hop, voilà. Elle est bien par là. Ok. Excusez-moi, j'ai la moitié mal à la gorge. Alors, allez. Oh, il a eu peur. Non, il y avait juste un. Putain, il y en avait un. Il y en a un là-bas. Aïe! Mange la bouffe plutôt! Bonjour! Aïe! Attaque-le! Ah la vache, oui, il laisse des marques sur les bestioles, vous avez vu? Je peux marquer les bestioles! Génial! Génial, génial! Excuse-moi, je viens de détacher l'ami. Juste, j'étais occupé pot en argile, parfait, ça me permet de faire des bombes. Pot en argile, vraiment parfait. Ok, tu es libre l'ami. Bon, bon, bon. Reviens me voir. Moi, c'est parce que je chie dans la colle. Oula.
putain. Raté. Dommage. Ah putain. Pauvre chèvre. Je suis mauvais, hein. Raté. Putain. Touché. Voilà. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Poulet. Bon, qu'est-ce que je voulais faire? Bref. Putain, bouffe le... Mon chat, bouffe l'oiseau. Rominé, bouffe l'oiseau. Dommage, j'ai pas réussi. Oh, reviens, reviens, c'est pas grave, Rominé. C'est pas grave. Oh merde. En train de se faire bouffer celui-là. Bon, bah je vais brûler son corps. Apparemment il veut pas. Hop, c'est ça que je vais faire, tiens. Je vais créer un bûcher. Par contre, les poils le sont un petit peu cramés, je suis désolé. Je peux même pas récupérer le cadavre, je voulais le mettre dedans, mais c'est pas grave. Ok. On n'est pas dans genre dans la zone rouge, là, en plein milieu dedans, ou un truc comme ça. Ouais. Bon. Eh ben, on va se rentrer, chers amis, je pense. On va se rentrer et on va se laisser là donc pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Ne pas se spoiler en arrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et un grand merci à GameSpace.com qui m'a gracieusement fait le jeu. Et un grand merci à vous pour les 5K abonnés. Je pense qu'au moment où cette vidéo sera uploadée, on l'aura largement les 5K abonnés. Un grand merci à vous. Je ferai peut-être une vidéo remerciement quand même, un minimum. On va se soigner un petit coup. Voilà, mange. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Salut les gens!